Bonjour, je suis Thomas Sébastien, je suis formateur châssis pour l'école de la performance. Alors la formation technicien auto, en fait, c'est les réglages châssis. Il y a une partie moteur. On leur apprend vraiment les subtilités du monde de la course et des véhicules afin qu'ils aient les compétences qu'ils convoitent. Bonjour, je m'appelle Sandrine Kuch, je suis assistante de formation à l'École de la Performance. La formation se déroule du 16 octobre 2023 au 20 septembre 2024. Donc voilà, c'est une formation qui dure 11 mois et la moitié se passe à l'école. L'autre partie se passe du coup dans des teams de compétition. Donc le déroulement de la formation, il est assez complexe. Au début, ils arrivent, donc on leur apprend un peu à utiliser les outils pratiques pour intervenir sur les véhicules, hein, notamment les perçages, usinages, prise de côte, traçage. Après, on a un gros module qui est le module châssis, donc on intervient sur des véhicules de compétition, on fait une révision, ce qu'on va appeler une révision hivernale, où ils vont vraiment démonter les véhicules, analyser les pièces qui sont défectueuses. On va faire des évolutions, s'il y a des évolutions à faire sur le véhicule. On va contrôler, faire beaucoup de métrologie, hein, au niveau de la géométrie des véhicules. Par la suite, on fait un déverminage. Donc ces véhicules, on les fait aller sur le circuit, on contrôle que tout aille bien, on fait des sessions de roulage. Il y a une grosse partie de la formation qui est ciblée aussi sur la partie moteur. Donc là, ils font toute la métrologie moteur, donc ils apprennent vraiment à faire de la performance sur le moteur thermique. Pour ensuite finaliser tout ça, on organise du coup le challenge. Donc le challenge, ça se passe au circuit de Nogaro. Donc on les met vraiment en condition d'une course réelle, hein, qui est organisée par le staff technique de l'école. Donc c'est une course qui dure 2 heures, avec des arrêts au stand, des changements de pneumatiques. Ils sont vraiment en situation réelle et ils doivent gérer et la partie technique qu'on leur apprend et la pression de la course à ce moment-là. C'est l'aboutissement de leur formation. C'est une super expérience pour eux. Ouais. C'est vraiment chouette pour eux. La formation s'adresse vraiment aux personnes de tout âge, hein, à partir du moment où on est passionné d'automobile et qu'on veut faire de la course automobile. Donc pour trouver un financement pour l'école de la performance, donc à l'école vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. À ce titre-là, vous pouvez être inscrit à Pôle emploi pour obtenir des allocations mensuelles. Et vous pouvez aussi demander un financement à Pôle emploi. Vous avez le droit aussi de demander des cofinancements en utilisant par exemple votre compte CPF et un abondement à Pôle emploi. Vous pouvez aussi demander par l'intermédiaire de votre conseiller Pôle emploi une demande de financement pour le conseil régional ou le conseil départemental. Vous pouvez aussi faire la formation par apprentissage et dans ce cadre-là, nous vous accompagnerons à la recherche d'un employeur. Dans le cas où vous êtes apprenti, c'est l'employeur qui assume les frais de formation et en plus, vous êtes salarié. Nous espérons donc vous avoir intéressé et vous revoir bientôt chez nous.